Vous avez décidé, vous devez supprimer le gluten de votre alimentation. Oui, mais voilà, il y en a partout et notamment dans votre petit déjeuner. Sauf si vous pratiquez le jeûne intermittent, hein, bien sûr. Eh bien, si vous déjeunez, ce défi est fait pour vous. Aujourd'hui, je vous propose de regarder de plus près la composition des céréales pour vous aider à les supprimer. Allez, c'est parti! Bienvenue dans cette 19e vidéo de notre défi Soigne ton assiette, c'est Virginie. Sur cette chaîne, je partage avec vous mes meilleures astuces, mes décodages alimentaires et mes recettes sans gluten et sans produits laitiers pour aller vers une alimentation hypotoxique et être en pleine forme. Donc si vous êtes nouveau ici, songez à vous abonner juste là. Alors dans la dernière vidéo, je vous ai donné les trois principales raisons d'arrêter les céréales. Et je n'ai même pas parlé des contaminations chimiques sur les cultures, ni des résidus d'encre que l'on trouve à cause des emballages. Mais je pense que ces raisons ne sont peut-être pas suffisantes pour vous pour déboulonner l'idée que les céréales, c'est bon pour la santé au petit déjeuner, que ça apporte de l'énergie et des vitamines. Stop au co... Ces croyances viennent des arguments marketing qui ont bercé notre enfance durant le club Dorothée. Et oui, nos parents ont acheté ces céréales pour qu'on grandisse bien, qu'on ne manque pas ni de vitamines ni de fer. Et qu'on ait un petit déjeuner équilibré. Bon, je vous propose donc un petit exercice pour juger par vous-même. Prenez les différents paquets de céréales que vous avez dans votre placard et on va examiner la liste d'ingrédients et les valeurs nutritionnelles. Première chose à regarder, quelle est la dénomination légale au-dessus de la liste d'ingrédients? Est-ce qu'il y a écrit dedans toasté, soufflé, caramélisé? Ça vous donnera une idée du degré de transformation des céréales. Et à quelle position se situe le sucre dans les ingrédients? Et quel est le taux de sucre et de glucides dans le tableau des valeurs nutritionnelles? Dans l'idéal, il faudrait que ce soit en dessous de 20 grammes. Et les fibres, tant qu'on y est? Si vous êtes en dessous de 10 grammes, c'est peu. Sauf si vous avez acheté des céréales qui sont expressément sans gluten, celles-ci contiennent du gluten. Et dans le meilleur des cas, des céréales modernes comme le maïs à éviter tout autant. Si le nom d'une céréale est mis en avant dans la liste d'ingrédients, c'est qu'elle contient du gluten. Un petit moyen mnémotechnique pour vous aider. Sabot. S pour seigle, A pour avoine, B pour blé et O pour orge. Ces quatre céréales contiennent du gluten. Mais il existe aussi l'épeautre et le camut, qu'on ne retrouve pas de partout, mais qu'on peut retrouver en magasin bio dans des céréales healthy, et qui contiennent également du gluten. Vous vous souvenez de la petite subtilité avec la phrase « trace, peut contenir », etc. Voilà, cette phrase, n'oubliez pas, est destinée aux personnes céliaques. Pour vous, si vous n'êtes pas céliaque, inutile de vous en soucier pour le gluten. C'est bon? C'est clair pour vous? Ceci dit, attention, parce qu'il y a des fois des céréales avec gluten, ou sur les paquets, les fabricants revendiquent en gros une autre céréale ou un autre ingrédient comme le quinoa, etc. qui pourrait vous faire penser qu'il n'y a pas de gluten dedans, sauf que quand on retourne le paquet, ces céréales-là contiennent quand même du blé. À vous! Une petite chasse au trésor dans votre placard, ça vous dit? Vous êtes prêts à relever cette partie du challenge? Allez, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez des céréales maintenant que vous les avez vues avec mon filtre. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous avez besoin d'aide par rapport aux compositions de vos céréales. Et puis, je vous mets un lien vers l'article sur comment j'ai changé mon petit déjeuner. Ça peut vous intéresser. Alors, rendez-vous demain. On verra les alternatives qu'on a à ces céréales. Et en attendant, n'oubliez pas de soigner votre assiette.